le dropshipping en 2020. Est-ce que ça marche vraiment? Bonjour à toutes et à tous, c'est Benjamin Gassi, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais répondre à cette question qui peut être légitime par rapport à toutes les conneries qu'on entend à propos du e-commerce et du dropshipping. Un peu notre faute, bien évidemment, nous les marketeurs, parce qu'il y a certains marketeurs qui sont un peu grossiers et qui présentent des choses un peu grosses à une audience qui débute. Et donc, du coup, on passe pour des body menteurs, ce qui peut être compréhensible. Après, il y a également aussi beaucoup de mauvaise foi du côté du YouTube game, on va dire. Donc, je vais répondre à cette question dans cette vidéo. C'est parti, les amis. Donc, j'aimerais commencer par dire que faut vraiment être un âne. Faut vraiment être un bras cassé pour ne pas comprendre le mécanisme du dropshipping. Je vous demande pas de croire en une philosophie, je vous demande pas de regarder des vidéos de motivation, de regarder des chiffres de tel ou tel marketeur, de même de me croire, je vous demande même pas ça. Mais il faut vraiment être un gros abruti et un bras cassé en business pour ne pas comprendre tout simplement la mécanique du dropshipping. Et la mécanique, personne ne peut la remettre en question parce que ça s'appelle le flux tendu et le flux tendu, ça existe depuis que le business existe. Donc voilà, tout simplement, il faut vraiment être déluré et avoir être à côté de ses pompes pour ne pas comprendre le mécanisme du dropshipping qui, je le rappelle, dans cette vidéo, pour ceux qui viennent de découvrir le dropshipping, on a une boutique en ligne. Ou admettons, on a une boutique, on a un point de vente, si vous voulez, qu'elle soit physique ou en ligne, peu importe, d'accord? On peut prendre même ça avec des exemples de business en physique. Une boutique, un fournisseur, un client, d'accord? Allez, un vendeur, un fournisseur, un client, d'accord? Donc, on a le client qui achète au vendeur, il donne 20 balles au vendeur. Le vendeur donne 10 balles à son fournisseur et c'est le fournisseur qui envoie au client, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le vendeur a gardé 10 balles dans sa poche, a payé son fournisseur 10 balles. Et le client a reçu son produit, au lieu de le recevoir du vendeur, il l'a reçu du fournisseur directement et parfois, il ne le sait pas et on s'en fout complètement. La logistique interne d'une entreprise ne regarde pas les clients, d'accord? Le client, le deal avec le client, c'est tu nous payes, on te donne ton produit, c'est le seul deal contractuel qu'on a tous les deux. Après, si notre plateforme de logistique, on décide d'avoir un stock ailleurs, peu importe. Donc, qu'est-ce que ça permet? Ça permet au vendeur d'avoir une très grande liberté, notamment dans la gamme de produits qu'il peut proposer. Il peut proposer 1000 produits ou 10 produits, pour lui, ce sera la même chose. Ce sera un petit peu plus long à implémenter, je vous l'accorde. Mais tout simplement, il a aussi également une liberté géographique parce qu'il n'a pas besoin d'être dans un local à se faire chier avec des salariés sur lesquels il paye de l'URSSAF, qu'il mette au prud'homme, qu'il machin chose, qu'il râle, etc. Là, c'est le fournisseur qui s'occupe de toute la logistique d'envoi et le client est content. Voilà, si vous avez bien fait votre travail. Ensuite, vous avez un travail de communication avec le client, bien entendu. Je vais enlever ma veste parce qu'il fait très chaud, excusez-moi. Ok les amis, c'est reparti. Désolé, j'avais un petit peu chaud. Il fait très beau là où je suis. Même si on est en plein hiver, il fait encore très très chaud. Donc voilà, tout simplement, vous avez compris la logique du dropshipping. Donc, que le premier déluré ou le premier abruti vienne remettre en question ce système, qu'on se marre, quoi. J'ai envie de dire, viens dans les commentaires, etc. Et qu'on rigole un petit coup. Parce que ça s'appelle le flux tendu. Et toutes les sociétés l'utilisent et on va l'utiliser de plus en plus. Pourquoi? Parce que les consommateurs veulent souvent de nouveaux produits et on ne peut pas se permettre de tout stocker, d'accord? Donc, toutes les plateformes que tu vois, il y en a qui sont anti-dropshipping, mais deux heures après avoir ouvert leurs fesses sur YouTube, ils sont à Conforama en train de dire « je veux un canapé », tu as le vendeur de Conforama qui lui dit « d'accord, tu as ton canapé dans un mois » et il ne comprend pas que le Conforama est en train de faire du dropshipping. Donc voilà, tout simplement. Après, je reconnais également à notre charge, parce que j'assume tout ce qui se fait sur YouTube, parce que je suis l'un aujourd'hui des leaders en dropshipping, que ça vous plaise ou non, que vous me détestiez ou non. Aujourd'hui, tu t'intéresses au dropshipping, tu regardes quelques vidéos de Benjamin Gassi, après tu dis j'aime ou j'aime pas, mais je fais partie du truc. Donc, je parle au nom de tous les marketeurs qui parlent de dropshipping et j'ai rien contre mes concurrents, il n'y a aucun problème. Je leur souhaite beaucoup de belles choses, même s'il y a des gens qui essaient de nous opposer, mais il y en a beaucoup qui font de la merde, on va pas se le cacher, et moi c'est ça qui me fout les boues, j'avais déjà fait des vidéos là-dessus, ils nous font passer pour des merdeux, mais moi je suis pas un merdeux, j'ai plus de 30 piges, donc j'ai deux enfants, j'ai eu des gros business en physique, moi je m'intéresse au dropshipping en tant que business, en tant que commerce tout simplement, c'est pas un truc d'adolescent, je fais pas ça pour m'acheter des Balenciaga, je m'en bats les couilles de Balenciaga,
même si je m'achète des Balenciaga demain, il n'y a pas de problème, mais je ne vais pas en faire une vidéo où je vais pas, je fais pas ça pour m'acheter du Gucci ou pour mettre des, péter des bouteilles en boîte. Ça m'arrive de le faire, mais je ne le filme pas, je ne le mets même pas en story, voilà, parce que je trouve ça con de faire ça. Mais après, chacun a son âge, je ne juge pas. Voilà, moi, ce n'est pas mon délire, je prends ça comme un vrai business, tout simplement. C'est juste une mécanique, une logistique d'envoi, et que quelqu'un vienne remettre ça en question, qu'on rigole un petit peu. Autre chose, donc il y en a qui vont se poser la question, est-ce que c'est possible pour moi de tirer par exemple 10 000 euros par mois de revenus? Est-ce que c'est possible même de remplacer ma paye, de gagner 2 000 euros par mois grâce à une boutique en ligne? Je vais vous répondre cette fois-ci. Je peux comprendre la question, parce que quand on démarre un business et surtout quand on est salarié, la question qu'on se pose, c'est ouais, mais bon, d'accord, super, mais moi j'ai un loyer, j'ai des traites à payer, j'ai une famille à nourrir. Et d'ailleurs, je pense que moi, c'est ce type de personnes que j'attire sur ma chaîne et qui font partie de mon programme ADD, et j'en suis très fier parce que c'est des gens qui me correspondent. Voilà, automatiquement, j'attire pas les merdeux qui veulent gagner 10 000 euros en deux jours pour s'acheter des habits, parce que moi, j'arrive pas de toute façon à communiquer avec eux parce que je ne les comprends pas, j'ai plus l'âge, etc. Donc voilà, en tout cas, j'attire des gens qui se disent bon, faut que je paye mes traites avec ça. C'est bien beau, mais je suis pas là pour jouer aux jeux vidéo, je veux un vrai business. Et ça, je peux très bien le comprendre. Donc pour vous rassurer, je vais vous dire quelque chose de simple. Le e-commerce, ça représente 90 milliards d'euros à travers le monde. C'est le chiffre d'affaires du e-commerce en 2018. C'est 90 milliards d'euros à travers le monde. Donc j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez que dans ces 90 milliards d'euros, vous ne pouvez pas ne serait-ce qu'attirer 10 000 euros par mois sur une boutique que vous allez fonder en travaillant dur, etc. 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires, on va dire que ça vous rapporte, je vais être au max du max, parce qu'il y en a qui vont me dire « Ouais, mais les impôts, et machin. » Alors, sur 10 000 euros de chiffre d'affaires, si tu arrives à garder 2 000 euros dans ta poche, tu gagnes 2 000 euros par mois, tu ne penses pas que c'est possible? Je vous dis, avec 10 000 euros, je suis capable de gagner beaucoup plus que 2 000 euros net après impôts. On est d'accord? Mais je vais aller loin pour les gros sceptiques de YouTube. Donc voilà, en tout cas, c'est ça, c'est 90. Vous voyez la taille du gâteau? Vous vous doutez pas que vous pouvez venir piquer juste une miette. Si vous piquez juste une miette, ça peut même faire 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois, tout simplement. Voyez. Donc pour vous dire que si ça ne fonctionne pas, c'est de votre faute. C'est que vous manquez de compétences, c'est que vous n'avez pas travaillé assez dur. Mais je veux dire, comment on ne peut pas travailler dur quand on sait que le gain et la récompense, c'est de vivre avec un ordinateur et d'être libre, quoi, tu vois, d'être libre de qui tu fréquentes, avec qui tu bosses, où tu vis, quand tu travailles, tu peux travailler la nuit ou le jour, peu importe. Mais je veux dire, cette liberté-là, comment je vois des personnes qui ne bossent pas derrière? Comment vous faites pour ne pas bosser? Moi, quand je me suis dit, à un moment donné, au début, quand j'ai commencé sur Internet, je me suis dit, mon rêve, c'est pas d'être ultra riche grâce à Internet. Si j'arrive à me sortir un SMIC avec un ordinateur, je vais même vivre en Asie ou quoi que ce soit. C'était ça, mon rêve, c'était de vivre avec un putain d'ordinateur. Il se trouve que j'ai tout cassé derrière et que j'ai pris une pluie d'argent sur moi depuis que je suis sur Internet et de mes différents business. Donc à ce moment-là, bah, j'ai dit bah, super, génial. Même si avant, je gagnais beaucoup d'argent. Quand je vous dis que je voulais gagner un SMIC, il faut savoir qu'avant, j'avais une grosse société, je gagnais beaucoup d'argent. Mais j'en avais tellement marre de fréquenter des gens que j'avais pas envie, d'avoir des salariés que j'ai envie de mettre dans un coffre mais que je peux pas, d'avoir des partenaires business que je ne supporte pas, de devoir faire des rendez-vous où je n'ai pas envie d'y aller, je n'ai pas envie de me mettre en costard, machin, ça me cassait les couilles. Donc à un moment donné, j'ai dit, si j'arrive à vivre seulement avec un ordinateur, un laptop, je suis le roi du monde, je suis le roi du pétrole. On va même dans un pays sous-développé, on vit tranquille et tout. J'en avais marre, j'en avais ras-le-bol d'être trop proche, je pense, des humains. Voilà, je pense que j'avais overdose et vous savez de quoi je parle, ça arrive des fois. Donc voilà, c'est simplement... Dites-vous bien que si vous n'arrivez pas par rapport à toute cette masse d'argent qui se brasse sur Internet, c'est de votre faute. Ne vous dites, en tout cas, je vous invite à ne pas vous dire est-ce que ça marche ou pas. Non, ça fonctionne. Allez-y sans doute, parce que si vous y allez avec des doutes, vous n'allez pas vous donner à fond. Okay, 90 milliards. Mettez ça sur Google, renseignez-vous, c'est pas Benjamin Gassi qui l'invente. C'est pas moi qui les brasse, les 90 milliards, je vous rassure. Voilà. Donc allez-y, tapez, vous allez voir que ce sont des faits factuels. Et vous allez pouvoir vous fier à des faits factuels, tout simplement. C'est pas sorti de ma tête, je l'ai pas imaginé, je l'ai pas dessiné ce matin sur un papier Canson à l'huile d'olive ou à la peinture à l'eau. Ce sont des faits factuels, d'accord? Donc ensuite, maintenant, dernière chose, j'aurai une dernière question à vous poser. Vous allez vous dire, mais d'où vient l'argent? Quand vous n'y croyez pas, je peux comprendre. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous connaissez, ne serait-ce qu'une seule personne, qui a déjà acheté
en ligne, donc sur Internet, qui a déjà acheté quelque chose en ligne. Est-ce que vous connaissez une seule personne autour de vous? Vous allez me répondre oui, c'est obligatoire. Aujourd'hui, il y a des plus de 70 ans. À moins que vous viviez sur une île déserte depuis 10 ans, je veux bien le concevoir, mais si vous êtes dans un schéma classique, dans un pays occidental, que vous vous levez le matin pour travailler, que ce soit dans votre entreprise ou en tant que salarié, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a déjà acheté sur Internet? Je ne vous ai même pas posé la question à vous-même, parce que je suis à peu près sûr que vous avez déjà acheté sur Internet. Sinon, vous n'auriez même pas cliqué sur cette vidéo. Mais en tout cas, si vous connaissez quelqu'un qui a déjà donné de son argent, qui était sur son compte bancaire via sa carte bleue, qui a déjà donné de l'argent à un commerçant en ligne, c'est qu'à un moment donné, à l'autre bout de la chaîne, il y a bien quelqu'un qui a encaissé le pognon, d'accord? Il y a bien quelqu'un qui a encaissé l'argent. Et à ce moment-là, qui a encaissé l'argent? Eh bien, c'est un gars comme vous et moi. C'est ça que certains n'arrivent pas à comprendre. Vous pouvez devenir ce commerçant. Vous pouvez devenir ce producteur qui encaisse l'argent des personnes que vous voyez autour de vous dépenser sur Internet. Donc maintenant, ce que j'ai voulu dire dans cette vidéo, c'est vous montrer des faits factuels et vous déclencher des cases dans le cerveau pour vous dire, vous voyez que maintenant, ça dépend que de vous. Ça dépend pas des faits. On n'est pas en train d'essayer de créer quelque chose de farfelu qui n'a jamais été inventé. On n'invente pas l'avion alors qu'il n'y avait pas d'avion, par exemple. En regardant les oiseaux, on ne se dit pas « Ah, les oiseaux volent, on va essayer d'inventer l'avion. » Voilà, ça, c'est le projet de toute une vie. On est d'accord. Là, je vous dis simplement, il y a de l'argent qui passe devant vous tous les jours. La carte bleue du copain qui a servi à acheter, je sais pas, un bonnet, une montre, un truc sur Internet, pourquoi ça n'irait pas dans votre poche? Vous ne sentez pas le foin, vous ne sentez pas le caca. Pourquoi ça n'irait pas dans votre poche et ça va dans la poche des autres? Maintenant, le but du jeu, c'est simplement de devenir, d'être à la place de la personne qui encaisse. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a entre ces deux mondes? Des compétences. Parce que pour se lancer en dropshipping, pas de stock, pas de local, pas de bureau, juste un ordinateur, une wifi, il n'y a pas d'investissement. On me dit souvent, Benji, moi j'ai 50 000 euros à mettre sur la table, forme-moi. Je dis, mais 50 000 euros, je ne vais rien en faire, ça ne sert à rien d'avoir 50 000 euros. Ça ne sert à rien si tu ne connais pas les différents métiers qu'il faut apprendre pour faire du dropshipping. Si tu n'as pas les compétences, tout simplement. Et les compétences, ça ne s'achète pas, il faut y passer du temps, il faut s'y intéresser et il faut devenir le meilleur, tout simplement. Plus vous allez devenir bon, et plus vous allez gagner d'argent avec simplement un ordinateur et de la Wi-Fi, bien entendu, ou de la 4G si vous voulez, tout simplement. Donc, si vous avez eu la patience de m'écouter jusqu'ici, c'était pas un coup de gueule, tout simplement, c'était un peu pour remuer les choses que je vois beaucoup de. Il se dit tout et n'importe quoi sur YouTube. Et je vois beaucoup également, faites attention, je le sens, nous on le sent, on le voit de suite. Je vois beaucoup de gens qui n'ont jamais fait de dropshipping, ça se voit de suite. Okay, ils nous parlent de choses qui sont complètement à côté de la plaque, nous qui pouvons vous faire des retours terrain, tout simplement. Donc, si vous êtes arrivé jusque-là, je vous le répète, je vous offre une formation de 6 jours entièrement offerte dans la description. Vous avez juste à cliquer, rentrer votre mail et vous recevrez un mail de formation chaque jour à 7h du matin dans votre boîte mail. N'oubliez pas de vérifier les spams au cas où. Et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo YouTube en pleine forme. Ciao, ciao les amis!